Hey, bonjour à tous, c'est Mosby, comment ça va? Moi ça va très bien. Je suis actuellement sur Borderlands 2. Je suis avec pas Céline Dion Tabernacle, mais avec dis-moi, comment ça va, dis-moi. Franchement, ça va nickel. Quand ça je va t'entends nickel. parler, ça va nickel. Quand je t'entends parler Putain, québécois, on est au top. on se casse les couilles, on se grêle les gorilles ici. Je crois qu'on va aller prendre du sirop d'érable, comment tu penses? Du lilé? Du On va lilé, boire le lilé. Tabernacle. Bon allez, moi je vais écouter Céline Dion Las Vegas, salut. Salut, salut Mosby. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous dit à très bientôt. Non, bah écoutez, on est très content de vous retrouver sur Borderlands 2. Donc c'est l'épisode 3. Donc pour rappel, dans l'épisode 2, on a déglingué, non sans difficulté, le Garonabo. On l'a enculé sa race, je te rappelle. Exactement, comme dirait Céline. Et, non, et donc, moi c'est René, c'est son mari, c'est René. Putain, mais t'es proche de la mort, hein, fais attention. T'as plus l'âge pour jouer aux jeux vidéo. Et donc Mosby en fait m'a gentiment, là vous le voyez, donné son snipe. Alors putain, hey, y a un zoom mon gars, mais c'est un zoom du futur. Je suis dans le turfu. Quand je tire avec mon snipe, je suis dans le turfu. Et donc on vient de niquer Garonabo, comme je vous l'ai dit. Et donc on va voir si on n'a pas besoin de munitions encore une fois, parce qu'on en a dépensé un petit peu hors vidéo. Tabarnak. Et puis, est-ce que tu vas garder l'accent toute la vidéo? Parce que je moi sais après pas, ça me perturbait. C'est toi qui veux, je te le dis, hein. Moi je peux pas garder l'accent toute la journée. Hein. Alors, non, je préférerais que tu reprennes l'accent normal. Ça te perturbe, je le sais que ça te perturbe. Ça me perturbe un petit peu. D'accord. Donc on rentre à la maison. Bonjour, c'est Mosby, enchanté. Bonjour Mosby, tu vas bien? Bah ça va, écoute, toi, bien et toi? Bah écoute, je crois que c'est l'intro la plus longue qu'on puisse trouver sur YouTube. Je vais l'appeler comme ça le titre, l'intro la plus longue du monde. Donc on fait quoi? On va rendre la quête? Bah écoute, ouais, je crois qu'on est bon pour aller rendre la quête. Allez, on retourne sur le Solstheim Shelf. Le compte à Albol. Allez, oh là là, mais il y a le comité d'accueil là. Bon allez. Putain, mais ton snipe il fait pas de dégâts. Bah, c'est un snipe niveau 1. Oh putain, merde. Ah non, mais là je vais retourner aux pompes dans pas longtemps là. Attends. Papa. Putain, il m'a lancé une pierre en pleine dans la gueule quoi. Tu veux que je te fasse un bisou magique? Ouais. Tu sais, comme les enfants, tu sais, un bisou pour que ça part. Ça va mieux. Ouais, non, mais je rentre. Dès que j'ai fini la vidéo, je me mets un petit peu de mercurochrome sur les genoux. C'est bien dégueulasse. Alors, je suis passé niveau 6, donc en fait, j'ai un point de compétence à affecter. D'ailleurs, moi aussi. Toi aussi. Toujours donc, pas je vais me concentrer principalement sur les dégâts de coups critiques. Hop. On est bon? Bah écoute. Ah ouais, mais toi, t'es déjà parti en fait. Non, je suis légèrement un petit peu plus que toi. On va voir l'homosexuel du jeu. Oui. A voir si on peut lui gratter des places pour la Gay Pride. Moi, bon, écoute, je mets dans ça. Alors, moi, j'ai une question, en fait, qui me taraude. C'est... Ah ouais, toi, t'es en fight. Okay. Qui te taraude? Je ne connais pas cette expression, écoute. Oh. Oh, je l'ai raté. Donc ouais, écoute, je t'écoute ta question. Ouais, non, mais je suis en train de bader avec ton snipe en fait. Voilà, c'est ça que D'accord. je voulais faire depuis un quart d'heure, j'y arrivais pas. Hop, oula, eh non mais... Ah, j'ai pas eu le temps de le cut. Attends, y'a le mec d'en haut encore. On a encore un. Celui qui est tout en haut. Hop là. Ouais, donc je te disais quoi? Je sais plus. Tu m'as dit que tu avais une question à me poser. Oui, alors comment se fait-ce que quand je suis full munitions, quand j'ouvre des cages, des tiroirs, des casiers, des coffres, j'arrive... Putain, merde. J'arrive quand même à récupérer des munitions. Parce que les munitions, en fait, elles sont partagées quand on est en coop. Donc si tu prends des munitions, les munitions vont m'appartenir aussi. Pareil pour l'argent. Par contre, pour le stuff, ce n'est pas ça. Le stuff, c'est chacun sa gueule. Ouais, ouais. Mais je crois que t'as une petite technique pour le dupliquer. Ouais, bon, c'est pas ma technique personnelle, elle est connue, mais c'est par rapport, oui, à un duel où on peut dupliquer les armes.
C'est toujours sympa. Ouais. On y go ? On perd pas trop de temps avec eux ? Bah vas-y, écoute, je t'assure. Hein ? Est-ce que tu veux qu'on shoot à nouveau les oiseaux ? Ouais, moi j'en ai marre, tu. Ouais, moi j'en ai marre. C'est avec les oiseaux. Attends, par contre, lui il me démange. Oh putain, merde. J'ai mis un coup dans la nuque. Voilà. Bah en fait t'as attiré tout le personnel. Ouais, le personnel. Genre c'est quoi, c'est le service hôtelier. Ouais, c'est ça, j'en ai tout. Attends, du coup. Ah c'est. Putain, c'est bien fait, on voit les balles fusées autour de ma gueule. Alors on va rendre la quête. Putain, j'ai fait gaffe au tracteur. Il y a une quête là-bas. Ouais. Il y a la quête de Eden Pierce, je crois. Ah ouais, en fait c'est carrément loin quoi. Non, c'est elle est juste là, mais bouge pas. Parce qu'en fait, c'est la quête. Cette quête-là, elle se passe sur le village où on a rendu la quête. Donc ça va être mieux de la prendre tout de suite. Putain, j'ai voulu shooter les oiseaux. Je me suis dit, ça y est, j'ai un snipe, je peux faire le show. Oh ! Ouais, ok. C'est bon, j'ai pris la quête. Je me creuse la tête pour trouver un nom à ce bonnet en diamant que j'ai acheté. J'avais pensé à... Je te vois de fight avec des oiseaux. Ouais, je les laisse un peu tourner. En fait, ils font pas mal du tout. Hein. On peut les... Non, mais c'est vrai qu'ils sont... Au niveau des dégâts, ça va, mais c'est vrai qu'ils sont casse-couilles par contre, parce que dès que t'en tues un, il y en a deux qui apparaissent. Ah, c'est pas la quête où faut ramasser des journaux audio. Si, ouais. Dans tout le village. Je crois qu'il y en a un ici. Voilà, tu te les casses les couilles et c'est moi qui vienne saouler. Ouais, bah écoute, c'est bien fait pour toi. C'est ça, bah merci, écoute. Alors, j'avais un petit message particulier à passer. À tous les gens qui ont repris le boulot aujourd'hui, ou l'école, hein, ou quelque chose qui vous fait chier. Vous avez mon admiration. Je vous souhaite à tous une bonne merde, parce que personnellement ça a été très dur. De se réveiller le matin, déjà par un réveil, ça c'est déjà compliqué. Et puis quand t'arrives au boulot, il y a tout qui te tombe dessus, donc voilà, grosse dédicace à vous. Ah, j'ai fini, t'as un petit message perso à passer, vas-y. Non, écoute, je suis en vacances, ça va bien, écoute. Ouais, même pas sur les... même pas sur les producteurs de fromage. Ouais, non. C'est le producteur de fromage. Ouh, eh mais on peut récupérer un de ces snipes. Je parle de moi, au cas où ça serait pas clair. Bon, c'est une nouvelle tête. Ouais. Et je t'avouerai que le snipe, je m'en lèche les babines, quoi. Carrément, ah, c'est... t'as rendu la quête de la fourrure. Ah, donc en fait j'ai gagné le snipe. Ouais, parce que soit t'avais deux possibilités, soit tu le rendais à Hammerlock, soit tu le rendais à Claptrap, et Claptrap c'est un fusil à pompe si je ne m'abuse. Ah putain, j'ai bien fait de pas me tromper. Et bah c'est cool. Bah, cool. Alors du coup je te rends l'ancien fusil. Tu peux le garder. Ouais, t'es sûr. Tu peux pas le récupérer ton fusil. Non. C'est, vous savez, c'est les fusils. C'est même pas un fusil, tu sais, c'est les carabines de fête foraine. C'est ça. C'est ça. Pour pas que les petits se blessent, quoi. C'est des balles en caoutchouc. Un pistolet à eau, c'est ça. On y go ? T'as vu, toi, ton snipe, il a une grosse lame. Moi, je sais pas ce qu'il a en plus. Ah ouais. Putain, je peux mettre des coups comme as, quoi. Avec, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, j'ai un zoom amélioré. Tu sais, les trucs de la Révolution, là, les... Les baïonnettes. Les baïonnettes, ouais. Merci. De rien. J'étais un peu comme en galère pour trouver l'école des fans de Jacques Martin. C'est ça. Hop, merde, c'est peut-être pas... On n'a pas trouvé tous les journaux audio encore. Ouais. Ouais, il faut aller dans la maison de Hammerlock. Alors, est-ce que dans sa table de chevet, on risque de trouver un petit gars de ceinture? Je pense. Version Borderlands, tu vois, avec du barbelé, ouais. avec des trucs hyper... Des trucs très hard. Alors, comment on rentre chez lui? Déjà, peut-être par la porte. Ah non. Tiens, il y a un petit gun ici, si tu veux. Ouais, t'es où? Attends. Où ça? À acheter? Oui, dans l'affaire du produit du jour. Ah non, il est moins bon que le mien. Par contre, je vais vendre ton sniper tout pourri. Bah écoute, moi aussi, je vais vendre toutes les affaires que j'ai eues.
Voilà, et je pense que l'audio, j'ai vu une échelle, il devrait peut-être être à l'étage. Oui, je crois qu'il est dans un... Je crois qu'il est dans un espèce de glaçon. Tiens, il est là. Ah, yes. Vas-y, vas-y. Hop là. Écoutez, ma petite dame, je sais même pas comment vous appelez. Racontez-moi pourquoi vous vous êtes... Donc on est bon ? Hop. Et je vous laisse tous partir. Du coup, c'est une quête à rendre ou c'est une... C'est une quête. Putain, désolé, j'ai bugué. C'est une quête à rendre ou c'est une quête Dans tous les cas, c'est une quête. Ouais, ouais, c'est une quête. Bon, c'est le principal. T'as vu qu'ici, il y a un petit trou de sniper d'enculé. Je sais pas si t'as déjà fait gaffe. Ça. Juste là. Ouais, et en fait... Comment ça s'appelle les meurtrières? Ouais, c'est ça, ouais. Et en tiens. Regarde. Encore le tourisme... Ah, yes. Ouais, moi, je mettrais pas 5$ pour voir de la merde, quoi. Et vous faire foutre. Parce que payer 5$ pour voir une petite maison qui bouge pas sans avoir possibilité de rotation, non mais c'est bon quoi. On m'a eu une fois, on m'aura pas deux. Alors on fait quoi? Bah écoute, on va trouver l'autre journal, yes. Le troisième, et le dernier. Eh, si ça c'est pas de l'acrobatie mon gars. Pff, respect, j'avoue que... Et je crois qu'il est pas là-dedans. Il est là, ouais. Est-ce que tu crois que je peux faire le funambule? Tu peux faire le funambule... Mais j'allais te poser la question en plus, est-ce que c'est possible? Non. Voilà. On est d'accord lui, c'est un mec comme nous, un chasseur de l'arche, le mec qui est mort là. Non, ça c'est un bandit. C'est un bandit? Quelle tristesse, quelle tristesse. Venez me livrer des messages écho quand vous aurez un moment de libre. Et je viens de voir qu'il a du chewing-gum collé sur la semelle. Il a du chewing-gum collé sur la semelle? Mmh. Ah yes. Putain, les détails quoi. Tu sais, les vieux chewing-gum malabar rose, c'est ça. Des chewing-gum été, où tu fais une bulle, t'as la mâchoire qui est déglinguée, quoi. Alors... J'ai une question, malabar, ils font toujours les tatouages? Je sais pas, ça fait longtemps que j'en achète plus, en fait. Je t'avoue que je suis passé au Airwaves. Même moi que j'avoue que, franchement, ça doit faire au moins un an que j'ai pas bouffé un bonbon. Moi, les bonbons, j'en mange souvent, mais les malabars, franchement, en général, quand ouais, t'en prends, ça peut pas puer de la gueule. Et t'en prends généralement quand tu vas pour tchatcher une meuf. Et tchatcher une meuf avec un malabar, je sais pas si t'as déjà essayé, mais c'est un peu tendu. Et meuf, j'ai un petit tatouage, je t'en veux. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, non, ouais, les chewing-gum encore, ça va, j'en prends, mais c'est vrai qu'un bon, même les trucs Haribon, ça fait une plainte que j'en ai pas pris un. Bah écoute, je t'en enverrai par FedEx, si tu veux. Bah écoute, je te remercie. Une petite boîte. Bah j'active la quête. Bah écoute, vas-y. Tac. Donc on a gagné un petit flingue. Ouais, tout pourri. Il fait penser à un mousquetaire avec sa plume sur le chapeau. Il a une plume? Putain, il a un canif, je te dis pas. Ah yes. Putain, j'avoue, il est... Oh putain, quand il est pas... En plus, il lance. Il fait des fléchettes avec. Comme au cirque. Vas-y, vas-y, mets une pomme au-dessus de ta tête. C'est ça. Putain, la taille du calife. Non mais il avait déjà la plume là ou c'est... Non, c'est justement la plume que t'as rajoutée, que tu lui as donnée. Ah yes, ah, j'avoue. Ah ouais, en fait il avait peut-être que la petite plume sur l'autre côté. Ouais, sur le côté droit. Ok. Bon bah on y go, hein, parce qu'après il va nous faire il va nous faire les fesses. Alors je suis paumé. Attends, je teste mon snipe. Oh, je l'ai eu. Tu le vois l'oiseau qui tombe là-bas? Ah, truc de ouf. Bon bah écoute, on y go pour avancer dans la quête principale. Alors est-ce que tu penses, moi j'en sais rien, mais est-ce que tu penses que d'ici la fin de la vidéo, on aura le temps de faire un nouveau boss? Bah écoute, je sais qu'il y a un boss, il y a Boom Boom qui est à côté, juste là, donc je pense qu'on aura le temps de faire, mais je sais pas si Capitaine Flint en aura le temps de faire. Je pense que oui. Ouais, il nous reste 15 minutes. 15 minutes, ah oh, ça va être juste. Ça va être juste. Oh, on va voir. Peut-être dans la prochaine vidéo. Bah sûrement, sûrement. Sûrement, oui. Sûrement, ouais. Si on est encore vivant pour en tourner d'autres. alors, maintenant que j'ai un snipe, je peux vous prendre en traître. Tiens, toi tu vas te faire empoisonner. Ah ouais, par contre il y a les potes. T'en penses quoi de l'intelligence artificielle du jeu? Ça va, je trouve qu'elle est assez... Elle est pas trop crade, hein. Non, ouais, franchement, elle est bonne.
Alors, tac tac. Ah, il y a encore des mecs. J'ai mis 3 headshots. Bah écoute. D'anthologie. Tiens, là tu as un petit coffre si tu veux. Ouais. Tu l'avais vu? Non. Là. C'est par où? Tu montes l'escalier qui est là. Yes. C'est les gros coffres là? Ouais, et tu fais un petit saut. Ah oui, oui, je le connais. Putain, comment j'ai galéré à l'atteindre la première fois. Ouh. Je galère sur ça. Bon. Quoi? Tu veux le fusil à bombe? Voilà, je voulais déjà réussir à monter. Bah non, vas-y, prends-le. Ok, bah écoute. Ah, je l'aime bien celui-là. Je sais plus c'est quel, tiens, quel si constructeur. Celui-là, c'est les bandits, les rouges. Ouais, toujours avec des petites dents de requin dessus. Il me fait penser vachement, tu sais, aux Avengers. Ouais, 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 les vieux trucs de la première guerre, je crois. Tiens, tu voulais montrer un truc? Ouais, non, juste mon sniper, je sais pas s'il est mieux que le tien. Putain, mais tu l'as envoyé trop bas. Non. Il est un petit peu moins bien. Bah écoute, on est bon pour aller faire boum boum. Ouais, j'essayais de voir si je pouvais en sniper à distance d'ici, apparemment pas. T'es sûr? Bah bien sûr que si tu peux, non? Non, mais je crois qu'il faut peut-être ouvrir pour que ça... Bah y'en a, moi je peux y aller si tu veux, mais putain, j'ai failli tomber comme un con. Bah si tu veux, je peux aller me le faire. Non, mais on va sniper au corps à corps, tranquille. Ok. Ah bah on a le boss direct. On va peut-être réussir à le finir. C'est le premier boss, ouais. Tu veux te faire le nabo ou tu veux faire le grand? Oulala, attends, je me fais gazer. Bah le grand je pense c'est plus facile pour moi vu que je suis au snipe. D'accord. Et qu'il bouge pas. C'est super facile même. Je vais essayer de lui mettre un gros critique. Ouh, hey, 1316 de dégâts. T'as reçu un parasol en pleine gueule, je sais pas si t'as vu. Non. Là, ici. C'est un mec qui se soucie de mon bronzage. C'est bon. Oh. Bah écoute, c'est good. Je suis un peu déçu par leur niveau de difficulté, quoi. Ah, on a un coop, et ouais, c'est vrai que... Bon, ça sera mieux dans les... Quand on aura une fois fini l'aventure, ça sera en chasseur ultime. Ouais, carrément, ouais. Ça sera beaucoup plus... Là, il y a un mec derrière qui arrive. Attends, c'est pas une orange, ça? Ça. Non, c'est un blanc, ça? Non, ça, c'est un blanc, ouais. Ouais, merde. Ici, si tu... par contre, t'as des grenades vertes. Je les trouve pas. Moi j'ai dû la prendre en fait. Tu vas ramasser, ok. Oh, attends, ici il y a des shots sur les trucs. J'ai rien du coup. Ah yes. C'est ça. Bah y'a rien d'intéressant, putain. Bon, je les ramasse pour le fric. Ah, t'en voulais peut-être un? Non, non, le mien est très bien, vas-y. Ok. C'est toi qui filme, donc je te laisse aller sur le canon. Yeah, sur la grosse Bertha. Alors j'ai un point à attribuer aussi après. D'ailleurs moi aussi je vais le faire tout de suite. Ouais. Bon, on va rester sur ce qu'on a fait au début, coup critique. Voilà. Ah bah c'est bon, je peux monter dedans. Bon alors là ça va défourailler les gars. Là ça va... Ouais ta gueule, hop. Ah, pas le temps. Attends mais les gars... C'est là où j'ai envie de faire un... Vous ne passerez ouais. pas. Ouais, il y en a quand même qui passent, hein, je suis... Alors tu m'avais dit l'autre fois que c'était indéfini, mais je crois que ça ne l'est pas, hein. Moi ça s'est déjà arrêté en fait. Je crois, ouais, mais je pense que si tu sors plutôt du canon, ça s'arrête un peu plus vite. Par contre, c'est du vrai stuff en bas. C'est vrai? Ouais. Il y a deux fusils là. Pourquoi le mec qui marchait au ralenti, je le vois de loin là? Parce qu'il est blessé. C'est, ouais. Putain,
putain, je clique comme un fou et j'ai un coup tous les 10 secondes qui part, quoi. Je pense qu'on est bon, là. Bah écoute, ouais. Ouais, allez. Hop. Oh, je suis sorti avec un petit saut carpé. Alors, du vert. Non. 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 Ah, Merlot qui m'a vraiment filé du lourd. Hein. Alors, je pense qu'ici, je peux faire un scandale. Bah écoute. Ils sont tous chez eux en train de regarder la télé, il y a personne dehors. Putain. Mets-toi plus là, et moi je vais aller les prendre. Ok. Ah, j'entends des oiseaux. Ouais, je sais. Non, à droite, il y a des bandits qui sont en train de s'embrouiller avec des racks. Ouais. Écoute, on va les laisser ranger, faire le querelle. T'es bon d'ici ? Bah, je pense. Ok. Alors, par contre, les têtes sont vraiment toutes petites, quoi. Je mets des one-shots, mais j'ai une chance sur 10 d'en mettre un. Bah, je crois que t'es bon, il y a plus personne qui vient. Si, t'as un autre mec qui arrive, là. Juste derrière toi. Deux mecs, même. Bon là je les vois pas parce que t'as le truc qui cache. Bon je descends. C'est moche d'être à distance comme ça, ça fait un peu tarlouze. Il est bien fait le dragon qui crache du feu. Hein. C'est une putain de... C'est une machine de torture, ouais. C'est une machine de torture ? Ouais. C'est une machine un peu SM. Et tu sais un peu comment elle fonctionne ou pas du tout ? Je sais que tu attaches un... Je crois que... Ouais, t'attaches un mec au bout de la gueule du dragon et le dragon il crache du feu. D'accord. Ça doit sentir le porc grillé après, tu sais, avec les cheveux et tout, les poils. Oula, toi je t'avais pas vu. Attends, y'a un mec qui me court dessus là. Hop là, coup de baïonnette. Coup de baïonnette. La baïonnette elle est violente, hein. Franchement. Mais tu sais que c'est pas une baïonnette, genre t'as un espèce de katana en fait. Hein. Ah, c'est la baïonnetta quoi. Ça c'est un mec qui est aux toilettes ou comment ça se passe? Où ça? Le mec qui a crié là. Ah, je... ah non, c'est un mec... C'est le capitaine Flint, donc le boss de ce... De cette map, ouais. Ouais. Qui a pris un homme en torture. D'accord. Ah donc c'est le mec qui se faisait torturer qu'on a entendu? Voilà, mais en fait le mec qui se fait torturer c'est un de ses... Enfin c'est pas son pote mais c'est un de ses mecs, un de ses soldats. D'accord. Tiens, il y a un petit coffre ici. T'es où? Ouais. Ah mais carrément, mais putain je vois rien quoi. Il y a des pistolets de toutes les marques. Alors, Adidas, Nike, Puma, Hermès. Non, bah il y a que de la merde. Tiens, hop, j'ai tiré dessus. Écoute, moi j'aime bien les bandits. Voilà. Oh putain, merde. Tu sais que c'est quand tu te foires au snipe, bon courage après. Je sais pas, ah dommage si t'as pas vu, c'est que là il y a un dictaphone, c'est une espèce d'enceinte, et il y avait du... Je sais pas comment expliquer, ouais non, il y avait du bruit qui sortait. Tu sais, il y avait comme en BD, tu sais, les petits traits. Ah yes. Les... merde, les onomatopées, non? Ouais, c'est voilà. Ouais. C'est pas trop une... No, oula, une onomatopée. Mais tu sais, c'est... Ouais, c'était pour... Faut pas le dire bourré, sinon... ouais, c'est ça. Mais c'est... Ouais, ça indiquait qu'il y avait du bruit qui sortait dedans. Ok, je kiffe ce niveau, je le trouve super bien fait. Moi aussi, j'aime beaucoup, ouais. Ouh, hop là. GG. Tiens, maraudeur brutal, on va se faire. Maraudeur brutal. Ah ouais putain, mais ça c'est le SWAT. C'est ça, c'est le GIGN. Ils nous ont envoyé le SWAT. Eh mais eux ils sont cheatés ces mecs là. Putain, comment on s'est... J'ai rematé la vidéo qu'on avait fait là, juste avant on s'en est tapé deux. Putain, comment on avait pris cher. Alors du coup, est-ce qu'il est meilleur que le pompe que t'as récupéré tout à l'heure? Celui-ci. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ouais ouais, il est meilleur. Bon, vas-y, ouais. Tu veux que je te donne l'autre? Ouais, je veux bien, ouais.
Merci. Attends. Ouais. On est en train juste de marceler sur Skype. Ouais, écoute, j'en profite pour récupérer un peu de munitions. Hop, hop. Je crois qu'il y a un truc de santé là-bas. Il est pendu bizarrement, ce mec-là. Ah, okay. C'est le mec qu'on a déglingué, en fait. Ouais. Non, je pense pas. Le SWAT, non ? Non, le SWAT, il est là. Le SWAT, il est... Ah, bah écoute, moi, j'ai pas dû afficher les détails au max. Donc, du coup, en fait, les mecs disparaissent un peu plus vite que chez toi, je pense. En fait, c'est une déchetterie géante, ici. Ouais. Ça ressemble fortement. Oh, c'est plus... Putain, il y a... Je me suis avancé trop loin, là. Ouh là 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 là. Mon perso est relativement très nul au snipe. Comment il tremble. C'est un truc de fou. Hop. Putain, les mecs, comme des sauvages, là, à distance, ils nous envoient des haches. Alors, je suis bloqué par un glaçon. Je sais les gars, mais moi ça ne fait pas plaisir du tout. Il me fait taper des barres, laptop. Ah, j'ai hâte d'avoir ma nouvelle souris. Les mecs ils lancent pas des filets pour t'arrêter pour que tu puisses ne plus bouger. Des stuns? Ouais, des stuns ou des filets. Parce que j'arrivais plus à avancer non, en fait. Non, je pense pas. Oh, peut-être. Non, je pense qu'il doit avoir des compétences de stun, mais je sais pas. Je sais pas s'il lance des filets à proprement dire. Bon, on est bon. Bah écoute, ouais. Écoute, on va peut-être pouvoir faire voir la Love Room dans la vidéo. On l'a pas déjà vu. Non, bah non, on l'a fait voir. Ah, on a vu celle de Claptrap. Ouais. Tu vois, ces trucs-là, à chaque fois, j'essaie de les ouvrir. Dès que je vois une petite loupiote verte... Non, c'est les bombes, c'est les bombes, ouais. Bah ouais, mais c'est quand je le remarque que je me tire vite, parce que tu te prends une balle, tu prends cher. C'est une grenade. J'ai pris cher avec eux. Hein. Alors, ah oui. Je me souviens la première fois que je suis monté ici. Ce qui m'a fait le plus halluciner, c'est les guirlandes de Noël. Je me suis dit, tu vois les mecs, c'est des barbares, ils bouffent des humains, ils peuvent même bouffer des bébés, par contre, tu vois, il y a l'esprit de Noël, ouais, il est resté, quoi. Ça, j'avais pas remarqué ça. Ah, fuck. Tu sais comment on m'appelait avant? Vas-y. Vassili Zaïsev. Tu connais Vassili Zaïsev? Vassili Zaïsev? Non, je connais pas. Le soldat russe qui a ruiné 60 Allemands durant la guerre. Alors c'est un film, hein. Tu l'as pas vu? Non, ça ne tient rien. Sérieux? Alors tu vois là par exemple, je suis bloqué, je peux plus bouger, je sais pas pourquoi. Attends, je t'ai... Alors je suis à court de munitions, ça c'est chiant. Ouh! Bah écoute. Attends, Super Mosby arrive.
Oh, en plus c'est des mecs costauds. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah yes, merci. Non non mais je pense que on doit avoir un petit problème. Oh là, il y en a encore un. Je sais pas, j'ai pris une salle. Ouais, même ce... même moi, je sais pas, ouais. Ah bon, on est bon? Bah écoute, on va récupérer tout ce qu'il y a par terre. Ouais. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, attends, on va peut-être faire, voir la love room. Eh ben, on fait voir la... Elle est où? Elle est là, la love room. Ouais. Alors, quand vous êtes un bandit... vous êtes perdu sur Pandora, donc déjà, l'environnement, il est hostile. Déjà, il n'y a pas de femmes, en plus. Rappelle-nous l'accent des habitants de Pandora. L'accent des accents... C'est l'accent qu'on a fait au début? Ouais. Attends, faut que je me remette. Voilà l'accent. Alors, voilà la love room. On peut voir des photos de Moxie, une fois. C'est très joli. Et donc, je vous laisse deviner. Photo de Moxie, mouchoir, photo sexy, mouchoir. Il y a pas de femmes à Borderlands, donc je vous laisse deviner ce que les bandits ont fait. Des sacrés saloperies, mon gars. Mais n'empêche que... Putain, bah, Moxie, elle est bonne. Elle est... pour un jeu vidéo. Elle est très, très... Par contre, je trouve qu'ils ont un peu condensé... Alors, je sais pas si c'était pour les besoins du poster, tu vois, mais je trouve qu'ils ont condensé la tête et les nichons. Je les trouve vachement proches, et je trouve qu'elle a une tête énorme par rapport au reste du corps. Je sais pas ce que t'en penses. Hein. Non, ouais, peut-être, je sais pas, je trouve pas. Bah, putain, attends, plus... je suis en train de mâcher sur des mouchoirs dégueulasses. Ouais, vas-y, on sort d'ici. Bon bah écoutez, c'est ici que le let's play se termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Attends, c'est zoophile, t'es vois ce qu'ils ont fait. Sans nous, le pauvre. Ah, ils ont calé des mouchoirs dans la nuque. Enfin, dans le cou. Je sais pas, ils sont fait un délire sur des oursons là. Ah putain, attends, y'a pas de tâche. On juge pas, y'a pas de femme sur Pandora, on juge pas. Alors, pour la troisième fois, j'espère que ce let's play vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire si vous avez aimé. Si vous avez pas aimé, bah écoutez, bonne journée, ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, bah, comme on le fait traditionnellement, Mosby, le petit mot de la fin? Vive le Québec et vive Céline Dion. Eh bah super. Bon écoutez, on vous dit à très bientôt. Tchuss tchuss. Au revoir. Au revoir. Ah, tu connais la réponse? La réponse à la question D. Je l'ai fait en décalé. La question et la réponse D. Et voilà. Bon allez, ciao tout le monde. Tchuss. Ciao.